Minecraft, le meilleur jeu du monde, et en plus on est dans le meilleur biome de tout Minecraft, c'est-à-dire le biome où il y a de la neige. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le jeu Minecraft. Ça fait très longtemps, mais c'est bien vrai, et le jeu a quand même pas mal changé. C'est des icebergs, ok. J'ai pas mis le mode, hein. Je redécouvre un peu le jeu comme régulièrement en fait, parce que vraiment c'est, on va dire, mon jeu préféré. Hop, ça se casse. Et voilà, donc on fait une petite aventure en vidéo pour voir un peu comment ça fait Minecraft depuis pas mal de temps. Voilà, je suis en mode difficile parce que j'aime bien les défis quand le jeu est un peu plus dur. C'est pas une grosse vidéo du tout. Alors pourquoi pas une grosse vidéo? Parce que je prépare des gros trucs, mais que j'ai pas le temps de faire d'autres trucs à côté, je sais pas, petit montage, des petites critiques, non. J'ai un gros projet. Donc tac tac tac, on va prendre du bois. Et donc je vous propose une aventure sur Minecraft. On va essayer de survivre et de pas mourir déjà, ce serait pas mal. Quelque chose d'assez classique, on va dire. Et comme ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de... Hop, tiens, je suis là. De vidéos sur Minecraft, je redécouvre le truc. Je faisais des vidéos il y a très longtemps, hein, en 2015 sur Minecraft, mais c'était hyper buggé. Là, c'est bonne qualité, c'est fluide, ça fait du bien. Et donc, on va un peu découvrir ce merveilleux monde, les mises à jour, hein, que je connais un petit peu, mais pas trop quand même. Il y a sûrement plein de trucs qui m'échappent. Hop, on a plein de bois. On va essayer de se faire des copains, hein. On va essayer d'être sympa, hein, sur cette partie. Petite grotte, voilà. On va essayer de se créer un petit monde médiéval, hein. Un truc vraiment stylé, hein. Ce qui pourrait être vraiment hyper cool à faire en vidéo, justement. On commence par quoi? On va peut-être se créer un petit abri, hein, parce qu'on sait jamais, hein, avec la nuit, ce genre de truc. Oh, plein d'animaux. Ah, ça fait du bien d'être sur Minecraft, c'est tellement un jeu agréable, je trouve. Oh, les grottes. Salut. Salut les potos. Alors, est-ce qu'on est vegan? Je sais pas, on va voir. Tiens, déjà, on va se faire un petit endroit où on pourrait être en sécurité. Hop. Ouais. Bon, alors, j'ai peut-être pas toutes les touches ni rien, parce que bon, je redécouvre le jeu. Et que ça fait pas mal de temps, et surtout sur ordinateur, ça fait hyper longtemps que j'y ai pas joué. Donc voilà. Et donc, bon, alors pourquoi je fais cette série? Oula, c'était quoi ce bruit? Il y a des bruits bizarres. Parce que, bon, je suis en vacances et j'avais envie de faire une petite vidéo vraiment détente, loin de tout ce qui est vraiment artistique, tout ça. Hein. Après, ça peut être une série où il se passe des trucs, genre une aventure. Avec, je sais pas, toi, tu veux être mon ami? Ah oui, si on veut des lits, il va falloir obligatoirement tuer des moutons. Hein, elle est tombée là-dedans. Ça a l'air pas mal dangereux. Hein. Et ben, on va continuer à se faire des outils, on va essayer de se faire. Je sais pas combien de temps va durer cette aventure. Mais ça va nous permettre. Ça va me permettre de sortir une nouvelle vidéo. Hein, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'il n'y a pas grand chose, hein, sur cette chaîne. Ok, je suis débile. Ah là là. Mais sur Minecraft, et franchement c'est un des seuls jeux vidéo auxquels j'aime bien jouer en vidéo. Parce que vraiment ça fait vraiment la petite aventure détente. Et pas forcément, hein, ça peut stresser, il peut se passer plein de trucs. C'est vraiment pour ça que j'aime ce jeu. Vraiment l'aventure, mais en même temps on peut parler de sujets graves, hein, et de trucs artistiques, hein. On peut parler de plein de trucs, genre la guerre en Ukraine, je sais pas, parce qu'en ce moment c'est un peu la guerre mondiale, donc espérons qu'on va pas tous mourir et que je puisse faire mes petits trucs sur Minecraft tranquille. Mais pour l'instant ça semble compromis par ce monde de fous. Peut-être une deuxième vidéo sur ce monde qu'on va appeler le Lecky World, avec Benjos pourrait nous rejoindre, sauf qu'il n'est pas là, donc je suis tout seul, et c'est triste. J'espère qu'il entend mon message de détresse. Oh, Lake Coast, un des trucs.
Alors oui, ça c'est pour vraiment les très vieux qui me connaissent. J'avais fait des vidéos en 2015-2016 sur Minecraft et ça s'était plutôt pas bien passé parce que c'était, je suis remué, des mauvaises vidéos, vraiment. Et les grottes sont vraiment énormes. C'est étrange. Alors est-ce qu'on tue la vache? Est-ce que je suis vegan? Est-ce qu'on fait un vegan sur Minecraft? Allez, on va essayer d'être vegan pour l'instant. Oh mon dieu, pourquoi j'ai sauté? Oh, c'est quoi ça? Il y a plein de trucs que je connais pas. Ça doit être du copper. Nouveau minerai. Oh là, je réapprends le combat. Oh, j'ai tué un zombie. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Est-ce que ça c'est bien? Ça c'est. Bon, je sais pas trop ce qu'on peut faire avec. Je crois qu'on peut faire des blocs. Mais à part ça, je vois pas. Si, peut-être des trucs de tonnerre, mais je vois pas aussi l'utilité de ça. Je connais rien là au nouvel truc de Minecraft. Du fer, bien sûr. Qui a changé de texture et au début ça me dérangeait parce que je suis un vieux de la vieille, hein. J'adorais les premières versions de Minecraft, hein, parce que un jeu que je suis depuis hyper longtemps, mais je me suis habitué et j'aime vraiment bien les nouvelles mécaniques de jeu parce que bon, fondamentalement ça reste le même, mais je le trouve beaucoup plus joli. Mais du coup là c'est vraiment une aventure classique, hein. Il n'y a pas de mode ni rien, j'essaie de revenir aux bases de Minecraft. Voilà, en filmant l'aventure comme à l'époque, parce que je suis nostalgique de cette époque et que ça fait du bien d'avoir une petite série sur Minecraft, loin de tout le stress. Je sais pas, on va essayer d'être dans l'aventure vraiment, on va essayer de se sentir. Enfin, mais on va pas parler de tout ce qui est guerre, pandémie, même des projets que j'ai, hein, parce que j'ai des projets, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose sur la chaîne. Parce que j'ai un gros projet dont je vous parlerai plus tard en vidéo. Oh, de l'or, je peux pas le prendre avec, sans le faire. Un énorme projet, un truc colossal qui ne sortira pas sur YouTube, mais je vous en parlerai dans une vraie vidéo. Dans une vidéo consacrée à la chose. Là, on est là pour vraiment être dans une aventure Minecraft. Un peu à la Gus DX, qui était vraiment mon youtubeur Minecraft préféré, ses vidéos sur Hunter's S de Crafting Dead. C'était vraiment du pur bonheur et j'ai envie de retrouver un peu ça, voilà, cette envie de découvrir le jeu, d'être à fond dedans. Voilà, donc j'essaye. Alors, je suis où? Voilà, je vais essayer d'être comme ça, d'être en mode vraiment, c'est l'aventure, l'aventure, et on parlera pas du reste, peut-être. Pareil pour le montage de la vidéo, je sais pas trop ce que je vais faire, parce que vraiment, c'est vraiment un test, hein. Même si ça sera peut-être pas très intéressant, mais au moins, moi, ça me détend, et le faire en vidéo, c'est toujours un plaisir, ça donne des objectifs, tout ça. Peut-être que je suis pas très énergique dans la voix, hein. Pour info, j'ai eu le coronavirus. Ce qui n'est pas cool. Hein, pour l'instant, j'avais hyper résisté et hop, c'est les vacances, j'ai le coronavirus. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai été au César des lycéens. On a vu plein de films, c'était hyper cool. Hein. On a voté pour L'événement, qui est un excellent film, L'événement. Mais malheureusement, c'est Bac Nord qui a gagné, qui est un film moyen. Heureusement que Aline n'a pas gagné, car c'est un film que je trouve très mauvais. Alors, la dernière vidéo qu'on a fait sur Minecraft. C'était sur cette chaîne, c'était avec Benjos, voilà. On avait fait une vidéo sur Minecraft Pocket Edition, et là c'est sur le vrai Minecraft, donc c'est vachement cool. Il faut trouver du charbon. On va essayer d'être dans l'aventure, voilà. Je sais pas si le bruit est bien réglé ni rien, je sais pas si on m'entend très bien. C'est vraiment de l'impro, je sais pas ce que je vais faire au montage. Je suis perdu, hein, je suis perdu, et il va faire nuit. Ok, on va essayer de trouver des moutons. Alors, le défi vegan sur Minecraft, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne crois pas. Je sais pas quoi faire. Je suis pa... Oh, du... Oh. Oh, du charbon. Bon, bah en fait, si, c'est très bien ça. Ah, j'aime beaucoup cette ambiance neigeuse là. Il y a moyen de faire un truc. Genre un. Je sais pas, un château. J'ai envie de faire un peu une ambiance médiévale. On pourrait faire une aventure un peu médiévale. Alors, je sais pas si ça va être une série. Désolé, désolé. Ah, ça me fait mal au cœur, ça fait longtemps. Oh, du cuir. Et. Oh, un zombie. Ils sont déjà de sortie. Aïe, ouf, deux dégâts, ça, pas très agréable. Oh, il faut taper deux trucs en même temps. Ça, je savais pas. Tiens, viens par là. Hop. Non. Bon, on en adoptera, on sera gentil avec eux. Ça se mange pas, mais ça. Ah, si. Et je suis empoisonné. Bon, ça a pas l'air trop grave. Il fait nuit, c'est peut-être pas une bonne idée. Oh, un lapin! Je sais pas comment on les adopte. On verra plus tard. On va rentrer à la maison. Donc j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir si vous vouliez une vidéo sur Minecraft, voilà, à l'ancienne on va dire, et beaucoup de gens ont voté pour oui,
Donc, j'ai décidé où est ma table de craft. Elle est là. J'ai décidé d'en faire une, comme à l'ancienne, en mode vraiment détente et où je n'ai rien préparé. Voilà, on va être dans l'aventure. Oh, c'est chaleureux. J'adore. Mais Minecraft, mais c'est. Non. C'est vraiment. Mais j'aime. J'arrive pas à manger. Ah, si. J'aime ce jeu, cette ambiance. C'est un pur plaisir. Bon, on va même mettre ça. On n'a plus besoin bientôt. C'est vraiment. Il y a même un côté poétique dans ce jeu, dans les musiques, dans tu dois survivre. Je me rappelle des bandes-annonces à l'époque de Minecraft, les vieilles, les premières. C'est vraiment un régal ce jeu, je l'aime. Bon, ça va cuire ça. On va pas rester toute la nuit ici quand même, c'est un peu ennuyant. On peut aller faire des trucs dehors peut-être. Ouh, moi j'ai un peu peur. Ah, je me rappelle des premières nuits sur Minecraft. Ça faisait peur. J'avais peur, même en créatif j'avais peur. Bon, maintenant ça fait un peu moins peur, mais j'aime beaucoup cette porte, elle est un peu. C'est un peu qui taverne. Alors, bon, je suis pas le meilleur joueur du monde, du tout même, mais je connais les bases, donc on va essayer de survivre. Oh mon dieu! Oh là, tu m'attaques toi? Oh non, mais il va me tuer. Ça serait. Non, non, pas déjà! C'était une mauvaise idée de sortir. Oh! Ok, d'accord, on va rentrer. Vite. Ah, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Oh, le stress. Bon, on va se donner un objectif, c'est ne pas mourir. Parce que du coup, ça met du stress en plus, mais là. Oh, le stress de ouf. J'aurais pas dû sortir. J'ai même pas récupéré son os. Oh mon dieu. Ouh là là. J'étais pas prêt. En même temps, je suis en difficile. Vous pouvez le vérifier. Dans option, je suis en hard. Donc évidemment, ça faisait un peu mal. Première nuit intense. Voilà, j'ai envie de retrouver cette ambiance qu'avaient les vidéos de GusDx. Ah, mais c'était incroyable, les vidéos de GusDx. Vraiment. Oh, du fer. Bon, ça c'est cool. On a du fer très rapidement. Ça, c'est grâce aux nouvelles mises à jour. On va se faire une épée, je pense. Et oui, l'ambiance des vidéos de GusDx, mais c'était un pur bonheur. Il y avait un truc de fou, une ambiance qui se dégageait, un truc qui faisait que ces vidéos étaient uniques et que, encore aujourd'hui, je les re-regarde. Parce que c'est génial. Aussi, c'était l'interprète, hein, Guillaume Durieux, celui qui faisait Yus, qui était génial. Maintenant, il fait des chasses aux fantômes qui sont des vidéos tout aussi bien, hein, j'ai envie de dire, hein, j'aime beaucoup. Mais bon, cette époque Minecraftienne me manque et j'ai envie d'être un peu sur YouTubeuse Minecraft. Oh, je perds de la nourriture si vite. Mais ça, c'est à cause de la difficulté hard. Voilà la petite youtubeuse, la petite Justine sur Minecraft qui essaie de survivre. Ah, c'est trop mignon. Alors, je vais ouvrir la porte, il va y avoir un truc. Non. On va quand même aller voir un peu parce que je suis curieuse. Bon, la dernière vidéo, l'avant-dernière vidéo a plutôt bien marché. J'ai aussi fait une vidéo qui annonçait le retour de Francis, qui va être bel et bien de retour normalement, mais en attendant, il va avoir un autre projet beaucoup plus intéressant, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus artistique. Et moi, je vais bientôt passer mon bac, et après, il va se passer je ne sais pas trop quoi dans ma vie. Sûrement plein de trucs, plein d'aventures. Est-ce que je vais devenir vraiment une réalisatrice? C'est la question qu'on se pose tous. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais tomber dans l'oubli? Ça serait triste. On va aménager un peu l'endroit parce qu'on est un peu à l'étroit. J'ai envie de dire, le problème avec les vidéos Minecraft non scénarisées, c'est qu'on ne sait pas quand elles vont s'arrêter en fait. Ça pourrait durer 3 heures, ça pourrait durer 2 minutes, mais on ne sait pas. Bon, on va dire, mission, aller chercher des trucs à manger. De toute façon, on est obligé de ne pas être vegan si on veut survivre. J'ai introduit un meu. Meu? C'est pas rassurant du tout. Bon. Mission, c'est essayer de trouver des trucs à manger et peut-être un lit. Ouh, il y a des petits zombards là-bas. On se sent pas bien du zombard écrit petite chose, c'était la bonne époque. Ah là là, tant de souvenirs. Mais bon, on va essayer de se concentrer moins sur la nostalgie. Oh, mais il y a même du fer ici, que sur. On va se concentrer sur le présent. Que ce soit passé ou futur, on va pas vraiment en parler là. J'ai envie qu'on parle du présent, qu'on soit à fond dans l'aventure. Voilà. Voilà, on est les combattants, on va être les héros. Voilà, on va appeler cette terre, je sais pas. On va essayer de trouver un nom à cette terre. On va créer notre pays.
je décrète, ça va être le pays, ça va être l'aventure. Je suis une chevalière, Legikos, le pseudo Minecraft incroyable, et elle va m'échapper, la vilaine. Allez, viens, hop, voilà, ça me fait de la nourriture. Bon, je vais la faire chauffer pour avoir plus de. Ah, c'est trop dur de rentrer ici. On va casser ça. Mince. Ah, le saut automatique. Allez, c'est galère, hein. On ferme ça parce qu'on sait jamais, même s'ils peuvent entrer parce qu'on est en difficulté hard. Allez, je pourrais vraiment jouer à Minecraft pendant des heures, hein. Mais après, tout seul, c'est un peu triste, Minecraft, je trouve. Si seulement quelqu'un pouvait nous rejoindre. J'essaierai de jouer avec d'autres personnes pour d'autres épisodes. Après, il faut que j'aie des amis. On est un peu à l'étroit, hein, ici. Alors, est-ce que le jour se lève bientôt? Ce qui est bien, c'est qu'il fait pas trop sombre. Hop. Il y a plein de minerais partout. Hein. C'est devenu vachement facile, hein, pour trouver des minerais. Avant, on galérait. En tout cas, on a vraiment un bel endroit. Alors, est-ce que je mettrais des shaders? On va vraiment être sur du Minecraft classique. Hein. Oh, il y a même du fer là-bas. Oh, on est bien. Ils ont disparu, les deux compères de tout à l'heure. Donc, on va en profiter. Hop. Il faut vraiment essayer d'être roleplay dans cette aventure. Alors, comment faire? Bah voilà, je suis chevalier Lekikos, le chevalier Berserk, le Berserker. Oh, c'est quoi ça? Ça brille. Ah non, c'est une armure enchantée. C'est quand même très étrange. La mauvaise idée. Je suis dans un guet-apens, il y a des monstres partout. Ok, cet épisode va se terminer sur ce combat, sur le Berserker. Hein, ceux qui aiment Berserk, c'est un super manga. Voilà, je suis Guts avec mon énorme épée qui va aller affronter toute cette horde de créatures, du démon, pour défendre mes terres. Je sais pas comment on va les appeler, je vais réfléchir, voilà. On va défendre notre pays, venez par là. Moi, j'ai pas peur. Oh là là. Ouh là là. On va m'attaquer par derrière. Non, ça va. Oh non. J'ai peur. Ouh là, ça va faire mal. Non, c'est bon. Ok. Berserker qui n'a peur de rien. Oh. Oui, je t'ai vu sur le côté, je sais que tu veux. Oh mon dieu, j'ai survécu à cette première nuit. Ouais, me voilà dans ce monde incroyable qu'est Minecraft. J'ai plus beaucoup de vie après cette nuit fastidieuse. Je vais aller me reposer et on se retrouvera un jour pour la suite de cette aventure où il se passe des choses et on va protéger notre pays. Et peut-être que d'autres personnes nous rejoindront un jour. Oh non, il y a plein de squelettes. Allez, vite, revenir dans sa base, vite. Oula, si je me prends une flèche, je suis mal, j'ai envie de dire. Oh, j'aurais pas dû fermer. Hop. Et survivant. Wouhou! Je connais pas toutes mes touches. Yes. Bon, bah. On verra comment ça se passe les prochains jours. J'ai pas envie de mourir. J'en sens pas trop un seigneur, hein, avec mes cheveux violets. Ah mon dieu. Quelle aventure. Toutes les vidéos Minecraft se finissent là-dedans. On va finir la vidéo dehors. Avec les squelettes en feu. Salut les squelettes, ben, ils sont tous là. Super. Wouhou!